La famille bien ou bien, on est revenu ensemble pour une vidéo review et réaction à la fois. Aujourd'hui, je m'attaquais à un genre qui est rare dans cette chaîne, la pop musique arabe. L'un des plus grands pionniers de cette nouvelle pop générationnelle, Saad Lemjeled, un artiste marocain, dévoile aujourd'hui un featuring avec le mythique groupe flamenco Gypsy Kings. C'est sur le titre Viva el Rey Habibna, donc je pense que vive le roi, notre bien-aimé, qui reviennent ensemble aujourd'hui. Et écoutez, il y a un clip qui est disponible, on va regarder ça tous ensemble. Putain, famille, si vous me connaissez, soit bienvenue sur ma chaîne. Et surtout pas à vous abonner, à mettre à fond des likes et activer la cloche des notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si c'est fait, c'est parti. Le gars parle très bien anglais, on aime ça. J'entendais la musique égyptienne en arrière-plan. Alors il y aura peut-être un mix entre le flamenco et la pop arabe. On va voir ça. Nicolas Reyes. Sa voix elle est imposante, j'apprécie beaucoup. Il a cette facilité, cette dextérité de poser sur une production qui n'est pas de la pop arabe. C'est ça qui est intéressant. Ça va se mélanger assez bien, j'aime bien. La base de la production, c'est du flamenco. Allez, j'ouvre les doigts. C'est pas pour le roi, cette chanson-là, le roi marocain? Enfin, je sens pour le roi, je trouve ça atypique, mais écoutez, pourquoi pas, c'est leur culture. Hein. Ouais, j'avais raison. J'espère que Mohamed VI aime beaucoup les Gypsy Kings. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Cette voix qu'il a, Nicolas Lé, c'est chaud. Hein. Essaye. Très intéressante, bien maîtrisée. Et là, elle va poser sur n'importe quel type de production. On a vu en plus la dernière fois. Moi, c'est plus une vidéo réaction. Ditiki, je sais pas si vous le savez, mais c'est lui qui a le plus grandement influencé notre Kenji Girac National. Très très bon son. En tout cas, Saad Lemjeled pose très bien sa voix. Sa voix est toujours aussi bien fournie. Je vais la répéter une nouvelle fois, mais il a cette facilité à imposer sa voix sur n'importe quel type de production. Ça, j'apprécie beaucoup. En tout cas, famille, voilà la vidéo review et réaction à la fois. Et finis, dites-moi ce que vous pensez. Ce featuring-là, quand même assez improbable. Du titre aussi, peut-être qu'il peut perturber d'autres personnes. Mais en tout cas, c'est la culture des gens. On respecte ça. N'hésitez surtout pas à donner votre avis et vos retours dans la barre des commentaires juste en bas. N'oubliez surtout pas aussi, par la même occasion, de vous abonner, de mettre à fond des likes et d'activer la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Il y a d'autres vidéos disponibles par ici. Kiffez, likez et nous on se dit à la prochaine. Salut.